Merci beaucoup. Ok, c'est fini. Merci. De moi, et je parle et je lance le défi. Parce que je dis, qu'elle avait dit, je vais être lapidé, quand je sais qu'il a son pied, c'est à nous, je serai la dernière personne. Pour se faire insulter le cadavre. Et ça, c'est une promesse que je fais au Monaco. Mon petit, merci beaucoup. Je les remercie beaucoup. Jean? Ok, c'est fini. Merci. Ok. Moi, j'ai une question ici. Une question. Vous pouvez me dire ce qu'elle a dit de mauvais. A-t-elle insulté Sylvia? A-t-elle dit ici qu'elle donne à 6 mois à Sylvia pour la tuer? Répondez à ma question, s'il vous plaît. Je me mute. J'ai dit, mon petit, croyez en vous. C'est à toi que je m'adresse. Croyez en vous. Je t'avais dit que ça ne sert à rien que tu te fatigues pour te débattre sur les différents panels pour essayer de leur faire entendre quoi que ce soit. Croyez-vous. Ça dit que je répète et je veux que tu écoutes bien. Écoute-moi très bien, mon fils. Dorénavant, je peux me permettre de t'appeler fils. Parce que j'ai une fille de plus de 30 ans. Julien, il avait 25 ans. Sa grande soeur a plus de 30 ans. J'ai 46 ans. Selon les dits des Européens, la plus jeune mère a 9 ans. Ça veut dire que moi-même là, la diantra que je suis là, je peux te mettre au monde. Donc, croyez-vous, je vais te faire comprendre quelque chose ici. C'est que toi, tu as compris là. Il faut comprendre ça comme ça. C'est qu'eux, ils ont compris là. Ils n'ont qu'à comprendre ça. En plus, ça ne chauffe pas. Voilà. Allons. Ok. Moi, je vais prendre la parole, je vais répondre. Tu sais, le duo qu'on a joué là, c'est du français. Moi, je ne défends pas Sylvia. Je me bats sur ce que j'ai entendu et je répète. Quand elle dit à la fin que Sylvia, qu'elle sera la dernière personne à qui Sylvia a insulté le cadavre, ça veut dire quoi? Oh. Du français, ça veut dire que dans 6 mois, Non, elle n'a pas dit ça. Faut pas prendre les personnes sur les mots. Non. Croyez en vous. À la personne qui vient de parler, je ne sais pas c'est quel énergumène ou quel animal ou quelle espèce. Croyez en vous. Si, dis-moi, il dit, non, Sylvia, s'il va mourir, s'il va mourir, mais son enfant va mourir, n'a rien. Si, il dit que, quand moi je dis que dans 6 mois, hein, que je serai la dernière personne dont Sylvia insultera le gosse. Et que lui, il déduit que moi, il dit Sylvia va mourir. Je répète, Sylvia va mourir dans 6 mois ou bien c'est son enfant qui a mouru. Et puis ça chauffe pas. Venez me taper. J'ai dit ça bien. Hé, hey, même si je n'ai pas dit, j'ai dit. Et puis ça ne chauffe même pas. Et puis ça glisse pas. Et puis ça me freine même pas un peu. Voilà. S'il te plaît, quand elle dit, c'est pas ce qu'elle a dit. Attends, elle dit, elle sera la dernière personne que Sylvia va insulter le cadavre. Ça dit quoi? Ça veut dire quoi? C'est rien, okay. C'est pas. Ça dit qu'elle peut ne rien faire. Elle est Dieu. Donc, tu dis, n'est pas féticheuse. Je vous dis et vous répète. Elle n'est pas féticheuse. En tout cas, mon bébé, je ne suis pas une féticheuse et je ne suis ni Dieu. Ça, par contre, c'est la vérité. Personne ne me croit en ça même que l'homme voilà. Quelque chose pourquoi vous faites des saints débats 6 mois, sais-je. Moi, je n'arrive pas à comprendre. Deux fois, je dérange mon enfant. La première fois, elle a dérangé à cause de qui? De feu Bob Lee. Et la deuxième fois, c'est qui? C'est Sylvia. Madame, toi qui viens de parler tout à l'heure là. J'ajoute, en plus de Sylvia, je t'ajoute toi et toute ta famille et tout ce que tu as progéné, c'est que tout ce que tu accoucheras comme enfant, tout ce qui sortira de ton ventre, qui sera comme enfant, où tu as ressenti ne serait qu'un peu de douleur, pour dire que tu appelles ça enfant, où tu poseras chaque câlin, tu mettras ton bras sur ton enfant, j'ajoute ça et Sylvia au nom du Dieu Tout-Puissant. J'ajoute ça, non, bien. J'ajoute ça. J'ajoute ça aujourd'hui. Merci mon cœur. Merci beaucoup pour tes... J'ajoute ça. Tu as entendu? J'ajoute ça bien. J'ajoute la douleur de ton accouchement.
J'ajoute et ton enfant, quand tu as regardé ton enfant, et puis tu as regardé ton enfant avec amour. J'ajoute ça. Dans ce cas, il décide de son enfant. J'ajoute, fallait me taper. Oui, quand j'ai dit j'ai dérangé mon enfant là. Quand j'ai dit j'ai dérangé mon enfant une fois, deuxième fois j'ai dérangé mon enfant là, ma chérie. Quand j'ai dit ça là, oui, oui, j'ai dit ça parce que s'il va voir mourir, mais tcho. On y est mesien. On y est mesien. On y est me glaé. On y est me glaide. On y est me tcho. On a ni once, ou c'est bien. On y est me, vous savez, on y est me tcho. C'est ce que vous traduit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors ça, ajoute à toi, et puis ta progéniture, et puis tes enfants, je t'ajoute dessus. Tant que c'est pas sorti de sa bouche, ça c'est vous qui voyez. Mais quand même, mise en place. Mon fils, ça sort de ma bouche. Ce qu'ils veulent faire, ils n'ont qu'à venir faire, j'attends. Ce qu'ils ont envie de faire là, ils n'ont qu'à venir faire, j'attends. Pendant les petits, ça là, mais vous serez beaucoup payé, ne vous inquiétez pas, faites-moi confiance. Vous allez être beaucoup payé. Votre différent pas de monétisation, là, vous allez payer parce que les gens aussi auront des débats sur vous. Les gens auront des débats sur vous. J'en fais la promesse, sauf si j'ai craché mon enfant. Sauf si j'ai vomi mon enfant. Ou bien sauf si j'ai ramassé au bord de la route. Si je n'ai pas porté l'enfant à 9 mois de grossesse. Si je n'ai pas allaité. Et puis votre panel. Et puis chaque panel que vous faites avec mon nom. Et chaque que vous faites un nom. Ça n'a pas avoir fait. Regardez-moi. Il a dit, je serai la dernière personne. Et je réitère. Hey, j'ai dit ça. Venez me taper. Venez me taper, j'ai dit ça. Parce que nous, on ne peut pas lire entre les lignes parce que nous ne sommes pas dans sa tête, nous ne sommes pas dans son esprit. C'est elle seule qui sait ce qu'elle pense. Nous, on ne peut pas penser à ta place. Mais croyez en vous. Mais croyez en vous. D'accord, non? Mais croyez en vous. Moi, je ne peux pas penser à la place de l'autre Guigui. Je peux poser une question? Croyez en vous. Mais je te dis, quand l'autre Guigui dit que j'ai dit à Dieu, soit il me prend, soit il prend Sylvia. Oui, j'ai dit à Dieu. J'ai dit à Dieu. J'ai dit au véritable Dieu. Toi, ta gueule, on dirait qu'on est vache là. J'ai dit à Dieu que, hein, que soit il me prend ou bien il prend Sylvia. Oui, je l'ai dit. Soit Dieu va me prendre là, ou bien il va prendre Sylvia. Ça sera entre nous deux, ou bien. Est-ce qu'il y a le même destin de moi que Sylvia? Soit c'est moi qui meurs avant. Je n'ai pas mouru même date que Sylvia. En passant, Sylvia, j'ai un message pour toi. Sylvia, tu ne bois pas l'eau de maman Marie. Sylvia, Oda, l'eau de maman Marie là, tu ne bois plus ça. L'eau de maman Marie là, tu ne vas plus à l'eau, tu ne cours plus pour aller mais comment on appelle ça, mais Marie-Ange? Intention. Tu ne cours plus pour aller écrire tes intentions. À moi, c'est quand il n'y a pas de Dieu du bon mot. Sylvia, assez à moi, à coulo, à moi, à coulo, à zra, à zra, bon, à moi, à zra, man, à bé. Ada Kouflekma, Ada Nyokba Djeye Bambo. Ma chérie, toi tu n'as pas dit qu'on n'a même pas enfant de panthère ou bien de lion, bien je ne sais pas ce que tu es, chef féticheur. Ma chérie, je t'ai dit que je reçois le message. Toi tu penses que moi je suis un enfant. L'homme que tu as contacté, Terre Sylvia, où tu as pris mon nom, un monsieur grand de taille. Grand de taille, noir, costaud. Que tu as contacté, il n'a qu'à pas te trouver un bon féticheur. Un bon marabout pour constater ce mot-là. Il a tapé pour toi. Paï! Théa Sylvia, maman Marie ne peut rien faire pour toi. Maman Marie, là, elle ne peut rien faire pour toi. Donc, l'homme Kaya, noir, grand, costaud, que tu as appelé, oui, oui, pour aller consulter sur moi. Pour dire, il n'a qu'à te trouver un bon marabout. Un bon marabout pour consulter sur moi là. Sylvia, Marie a échoué. Maman Marie a échoué. Sylvia, tu connais pas. Sylvia, tu connais pas encore. Il a dit que je dois être ton nom. Je mange avec ton nom. Je me réveille avec ton nom. Je me lave avec ton nom. Je chie, je pisse avec ton nom. Sylvia, tu crois pas? Tu crois pas? Il a dit que je répète. Sylvia, je serai la dernière personne. Je dis bien, je serai la dernière personne dont tu insultes le cadavre. Tu penses que c'est un jeu? Tu n'as pas encore cherché marabout, Sylvia. Sylvia, tu n'as pas encore cherché marabout. Tu n'as pas encore cherché. Ça fait que commencer. Où tout ton argent, ta sueur, ta souffrance finira chez marabout là. Ça n'a pas encore commencé. Tu es pressé. Tu cours trop vite. Faut pas danser. Si tu es intelligent, il faut te concentrer sur maman Marie.
C'est ce que je te conseille parce que... Je répète, quand il avait dit, je te lapide un cagou là, c'est qu'il a son pied dessus. Tu connais pas? Donc on t'a dit que, attention, je vais au cimetière pour prendre trône des sorcières, des guerriers, on t'a dit c'est gratuit. Toi, tu es venu dévoiler mon secret, mon plus gros secret de sorcière. Toi, tu te lèves, tu dévoiles ça, et puis tu penses que ça reste comme ça. Moi, mon clan de sorcellerie là, Sylvia, mon clan de sorcellerie là, ils sont fâchés à toi, hein? Parce que tu es venu mettre tous nos secrets dehors. Wow! Tous les gens de gloire, gros plou. Toi, je suis parti soulever le trône pour porter mon trône de canaries de sorcières là. Merci, la gabonaise de luxe. Merci beaucoup, mon bébé. Tout mon trône des sorcières que j'ai pris, afin que le sang de mon fils Julien se trouve en bas du lit. Hé! Les guerriers là, parce que tu es venu mettre leurs secrets dehors pour dire que j'ai pris leur trône et que je suis une reine de la sorcellerie pour avoir un peu de pouvoir. Si viens, toi, tu penses que c'est fini quoi? Ou bien pour toi, là, c'était Facebook. Moi, je ne suis pas sorcière de Facebook. Tu as compris? Donc, si tu as dit que je suis une sorcière, et que je bois le sang de mon enfant. Merci Bimich. Et que tu dis que je bois le sang de mon enfant. Et que le sang de mon enfant se trouve en bas du lit. Tu cours vite comme ça pour aller voir Marabout. Pour chercher Marabout. Donc ça dit que toi tu dis que tu es protégé. Sylvia. Toi tu dis que tu es protégé. Tu dis que tu es protégé. Que toi tu n'es pas n'importe qui. Mais pourquoi c'est maintenant que tu cours pour aller chercher Marabout? J'ai décrit la personne que tu as envoyée, Sylvia. J'ai décrit bien la personne. C'est un homme. Il est grand de taille, noir, costaud. Grand de taille, noir, costaud. Sylvia, tu l'as envoyé, n'a pas bon Marabout. Oui, oui, pour consulter sur moi, Sylvia. Toi aussi, pourquoi? Tu n'étais pas protégé quand tu commençais là. C'est maintenant que tu as cherché Marabout. C'est maintenant que tu as cherché tout pour consulter. Ah, ma petite, toi aussi, pourquoi tu dis ça? Quand tu étais dans la voiture, puis tu tremblais, puis tu étais en chaleur, et puis tu faisais ça là, tu n'avais pas encore trouvé Marabout avant de lancer live, moi. Tu n'avais pas encore trouvé Marabout avant de lancer live sur moi. Mon amour, tu n'as pas regardé. Non, c'est pas regardé. Toi, tu n'as pas dit que tu as insulté masque. Le masque de ton village. Tu as défié un masque du village de ta mère. Quand tu as fini de le défier, tu as fini de l'insulter. Tu as couru pour aller faire quoi? Pour aller à Lourdes, pour prier. C'est là que tu as acheté ta voiture, tu as fait sortir ton chaos là. Tu les as rendus plats. Quand tu m'as rendu plat, tu cours pour aller voir Marabout comment encore? Aïe! Tu cours pour chercher Marabout là. C'est comment? Sylvia! 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 Ça fait trois fois. Je t'ai appelé trois fois, Sylvia. Si tu t'arrêtes, que tu arrêtes et puis on crie ton nom, Sylvia, faut pas répondre. Tu as arrêté, et puis tu n'es pas en train de parler à quelqu'un, et puis tu entends Sylvia, si tu réponds là. Si tu réponds, c'est terminé. Faut pas répondre. Parce que je te regarde droit dans les yeux, dans mon vilain visage de guerrier pour dire que, Sylvia, je serai la dernière personne dont tu insulteras le cadavre. Tu penses c'est un jeu? Ou bien quand il parle là, vous n'assimilez pas. Je vais confirmer, je vais valider. Comme ça, vous allez bien faire votre panel. Je confirme et puis je valide. Vous allez bien faire vos panels. Aïe. Moi, j'aime donner travail. Pourquoi? C'est trop facile. Qu'est-ce que vous ne dites pas là? Voilà, très bien. Là, vous pouvez appeler si Blanc Guigui pour lui demander. Parce que moi, je ne peux pas parler. Il n'y a pas quelqu'un qui a pine en bas de lui. Parmi les saligots, les saletés qui sont sur le panel, soi-disant hommes, pendant que les amis sont en train de travailler, et puis ils passent leur temps sur les différents panels pour parler d'affaires de coin épine. Il n'y a pas un qui a pine en bas de lui pour ouvrir sa gueule, même pour m'envoyer un seul message. Le jour-là, il n'aura plus de voix même pour parler. Il a fait la promesse. Il l'a défié à tout le monde. Les panélistes, là, un n'a qu'à prendre ses testicules pour m'appeler, pour me parler de Sylvia. Si tu as joué en crochet, mon nom, imbécile, bâtard que vous soyez, vos mères qu'on vous tous. Sans exception, à part mon enfant croyant en vous. Des chiennes, toi une bordel qui est parmi eux, qui est en train de poser toutes ces questions, ma chérie. Hey, faut t'asseoir. Yeri, tu seras panéliste toute ta vie. Toute ton existence sur la tête des hommes, tu as resté panéliste. Ah, c'est quelqu'un qui veut me répondre. C'est une maman, attendez. Il m'a posé une question. Voilà.
Moi, je ne peux pas parler pour elle. Je ne suis pas dans sa tête. Je ne suis pas dans son esprit. C'est une maman qui a mal. Elle est en train de crier son ras-le-bol parce qu'ils ont déterré. Mon bébé, il n'est pas mal. Je joue la comédie, je danse. Je joue la monétisation. Je n'ai pas mal. Mon bébé, je n'ai même pas mal. Mais croyez-vous, j'ai pas mal. Je cherche la monétisation. Je cherche l'argent pour aller payer mon cercueil. Oui, oui, c'est ce que je cherche. Je n'ai pas mal. Pourquoi y avoir mal? Aïe, pourquoi j'aurais mal? Est-ce que c'est un enfant? C'est pas un enfant. Oui, oui, c'est pas un enfant. C'est un poulet que j'ai ramassé puis j'ai égorgé pour avoir trône. Oui, oui, c'est pas un enfant. J'ai pas mal. Pourquoi? Aïe, est-ce qu'on peut avoir mal? Merci pour le nounous. Enfin, allez lui demander. Vous allez lui poser la question. Taguez-la ici. Elle va venir. Elle va vous répondre. Elle est mieux placée pour vous répondre. S'il vous plaît. Moi, tout ce que moi, je sais là. Tout ce que je sais, elle n'a jamais donné 6 mois à Sylvia pour la tuer. Arrêtez de dire qu'elle a donné 6 mois à Sylvia. Point. Mon bébé, même si je leur ai dit qu'il y avait 6 mois à Sylvia pour la tuer là, s'ils sont fâchés là, ils n'ont qu'à venir. Ils n'ont qu'à venir. S'ils sont fâchés qu'il y ait donné 6 mois à Sylvia pour qu'elle jouffe là, pour qu'elle puisse un bâtard d'enfant, son enfant maudit qui habite là-bas là, pour que son enfant qui traîne habite là-bas là, son sale enfant qui traîne habite là-bas là, si elle dit qu'il y a donné 6 mois là, mon petit, c'est rien. Pourquoi toi tu t'inquiètes, mon enfant? Pourquoi tu t'inquiètes? T'inquiète pas, mon petit. Faut même pas t'inquiéter. C'est tout. Comme si. Sylvia me menait. Comme si ça va faire quelque chose à quelqu'un. Comme si ça va faire quelque chose à quelqu'un. Elle ici, Sylvia est dans le live. Sylvia. Voilà, c'est tout. Soyez. Attends, alors, attends Sylvia. Sylvia, je sais que tu. Attends, on n'a pas dit attends. De je sais que tu es dans le live, tu ne veux pas monter pour éviter beaucoup, beaucoup de trucs. S'il te plaît, tu la conseilles. Mais on va pas continuer à faire parler pour toi. S'il te voilà. Plaît. Voilà. Si la conseille même plus le live. Parce que moi, il a dit, moi. Toi, elle t'envoie de faire son palabre. Elle t'a pas envoyé de faire son palabre. Si toi tu es garçon et que tu as des enfants et que tes enfants ouvrent les gueules dans ta sale maison puante où tu t'assois pour faire le panel, oui, oui, et que soit disant tu es une femme, soit disant en guillemets, où tu as soulevé ta pine pour mettre dans son con, mon ami, faut continuer de faire parler de Sylvia. Continue de mettre Sylvia et puis de prendre mon nom pour mettre dans ta bouche. Faut continuer, mon ami, tu es pressé, vous ne me connaissez pas. J'ai dit vos histoires de Facebook là, je sais de quoi je me mêle. Que ce soit Facebook ou TikTok. Je suis en live. Je suis en live. Calaquement. Je suis en live. Voilà. J'ai dit que, je répète, toi tu es garçon, tu as pine, et puis ta femme qui a coûté la con, elle est un gros nirin, elle saignera un bordel. Ta pine que tu appelles femme là, tu te cattes la nuit, elle est quatre, et puis tu prends ta pine, tu mets dans son con, et puis tu la baisses. Et puis ta salle va sortir un enfant. Tu vas engendrer, ou bien tu as déjà engendré un enfant dans le coin de ta femme. Toi, tu fais parler. Et puis tu déposes mon nom, le nom de Sylvia. Oui, mon frère, c'est à toi et ma tresse. Bah, je te donne pas de nom. Tu es un bâtard. C'est le nom que je t'ai donné. Tu es maudit. Et je maudis toute ta génération. Sauf si mon enfant, je l'ai ramassé. Sauf si je l'ai caché. Monsieur, tu vas me connaître. Tu vas me connaître. Pour là, tu ne me connais pas. Je lance un avertissement à tout le monde. Je dis, je suis lancé à vous. Vous avez cru que c'était un jeu. Vous avez cru que ça va s'arrêter de parler que vous faites. Et puis ça passe indemnité. Ou bien ça passe inaperçu. C'est pas moi, c'est Augustine. Elles sont nées. Elles sont nées siens. Elles sont nées créées. Parce que je n'ai jamais insulté cadavre de Pierre Paul Jacques. Si tu t'es pas attaqué mon cadavre. Si tu avais lu l'heure. C'est une promesse que je vous fais. J'ai dit que c'est une promesse. Qu'elle meurt. Qu'est-ce qu'on vit? Je n'en ai rien à foutre. J'ai dit, je donne 6 mois à Sylvia. Je m'arrête là. Elle, oui, parce qu'elle a parlé de. Moi, je ne peux pas comprendre que des hommes continuent à concevoir ce qu'une femme va aller déterrer le corps, le cadavre d'un. Ils n'auront jamais d'enfants. Et les enfants qu'ils auront paieront ce qu'ils sont en train de faire. Et les enfants paieront devant eux. Quand ils vont engendrer leur femme. Quand ils vont engendrer leurs partenaires, les enfants paieront. Et ils sentiront la douleur. C'est de ça qu'il s'agit. Je dis tous, sans exception. Est-ce que vous me connaissez? Vous ne me connaissez pas. Vous allez rester panéliste toute votre vie. Parce que l'histoire retiendra ceci. L'histoire retiendra ceci. Est-ce que vous me connaissez? Vous pensez que vous sentez que vous êtes dans ici dedans? Dites
lever pour dire à qui va entendre si j'ai insulté Kalia de qu'une fois. Non. Ça a commencé à partir de mon enfant. Bien avant ça, je n'ai jamais insulté Kalia de Pierre-Paul Jacques. Parce que je respecte ma tradition et ma culture. Je sais où on touche pas, où on doit toucher. Tu touches à moi, je touche à toi. C'est de ça qu'il s'agit. Comme vous, vous avez dit, c'est parce que j'ai touché là où ça fait mal. Pareil, dit son enfant est vilain. Son enfant est vilain aujourd'hui. Son enfant est vilain demain. Il est vilain après demain. Si elle discute que son enfant va venir à venir le montrer, elle a besoin d'aller te déterrer, moi, mon enfant, pour que j'aille le déranger. Hé! Hey! Face à ce qu'il a dérangé, la fille d'aller lire. C'est tout. C'est pas un jeu. Mon enfant, c'est un guerrier. C'est de ça qu'il s'agit. Hey, vous parlez de quoi? Et puis vous êtes là, tout le monde en train de dire parce qu'elle a fait ça à Bob Lee, donc elle pense qu'elle est arrivée sur Sylvia, tout le monde fait la salle. Jésus Dieu, il y avait quoi à Bob Lee? Je jubile, je danse, je jubile, oui, oui, parce que quand il a dit, il a parlé de mon enfant et que j'ai crié à mon Dieu a entendu mes prières. Les deux enfants là, c'est des enfants bâtards, c'était pas ses enfants. C'est pour ça que les deux enfants ont été épargnés. Harry, je vous dis ça. Sinon là, c'est pas lui que moi je voulais. Ne vous inquiétez pas. Je voulais qu'il ressente la douleur que je ressens. Devant Dieu, devant les hommes. Et quand Dieu lui m'en a décidé autrement. Et que parce que je n'ai pas été la seule personne qui l'a traité dont il a passé le temps à traiter les cadavres. Et Dieu a exécuté. C'est de ça qu'il s'agit. On vous a dit que c'est Grisès. Je ne suis pas Dieu. Mais je prie un Dieu juste. Moi, mon Dieu n'est pas moi, il est vivant. Oui, oui, oui. C'est de ça qu'il s'agit. Je sais pas. Il y a les autres mecs qui viennent ici pour insulter le maire point de la. Je sais pas. Je peux avoir une motion. Je ne pas avoir une motion. C'est moi. Croyons-vous, s'il te plaît. Ici, là, il y a des motions. Il y a des motions quand les gens demandent une motion. On vous souhaite une bonne journée. Ok, merci. Je peux rester pour 30 secondes, s'il te plaît. Je voulais. Ok, vas-y, je t'écoute. Mais croyez en vous. Et je pense pas que beaucoup de personnes qui sont montées ici ont déploré l'acte que Sylvia a offert. Beaucoup de personnes ont été écœurées. Et tout le monde a condamné fermement les propos que Sylvia a dit parce que personne. Parce que toi, bâtard, toi, maudit comme ça là. Sylvia n'a pas de panel, chien. Sylvia n'a pas TikTok. Elle n'a pas fait pour ça. Toi, bâtard, babillé comme ça. C'est toi qui as te levé pour venir pour faire panel. Pour parler de moi, mon enfant. Et puis toi, permets à toi de venir ouvrir ta gueule. C'est toi. Sylvia n'a pas, elle n'a pas TikTok. Elle n'a pas Facebook. Pour aller faire son combat là-bas. C'est toi qui t'a dit qu'en là-bas. C'est toi qui t'a dit que c'est toi que toi. Mon enfant, mon ami. Fais ça, tu as commencé là, toi et moi, ensemble. Fais ça, tu as commencé là. N'y a la quoi, il s'est douté, le terrain, quoi, le débat, mon bril là-bas. Mon bril là-bas, le terrain, quoi, le kebab. C'est toi. Faut regarder. Ne supporte ça. Mais non. Non, mais laisse-moi finir, s'il te plaît. Oui, oui. Mais dans un autre côté, nous, moi, je trouve, je n'ai pas dit moi. J'ai dit que j'enregistre vos différents lives. Je garde. Et quand ça pète dans ma tête, quand mes 2,5 deviennent 3 900 €, je vais vous récupérer. Oui, oui, c'est de ça qu'il s'agit. Vous pensez que vous avez fait panel? Moi, je ne peux pas prendre. Pour mettre photo de quelqu'un d'un pour insulter, non, 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 non. Chacun de vous allez vous reconnaître. Kenny Akanao. Vous allez vous reconnaître à chaque panel. Sachons pas. Ça, ce panel-là, c'est pas le premier que tu as fait là. Hein. Le premier que c'est ça, c'est autre chose même. Il est déposé pour toi. Et ça, t'es maintenant que c'est toi. Ta vie que tu caches là, ça sera dehors. Est-ce que tu me connais? Tu me connais? Tu as commencé à terminer. Tu n'as pas trouvé quelqu'un que tu as déposé pour qu'on vienne. Parler, toi tu vas venir insulter. Premier, je l'ai laissé. Où tu as permis à Sylvia, elle avait un seul que la parole sur ton panel. Tout est derrière là. Ça là, c'est quand il était à ce panel de 16 que tu es en train de faire ce live là. Mon ami, t'inquiète pas. Toi et moi ensemble. Et tous ceux qui sont avec toi. Vous connaissez pas. Hein? Vous connaissez pas même. Vous connaissez pas. Je dis que. Je suis sans état d'âme. Depuis mon enfant est décédé. Depuis mon enfant est parti. Jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas d'âme. Je n'ai pas d'esprit. Je n'ai pas de corps ni de cœur. Je n'ai même pas de sentiments.
Je n'ai pas de sentiments. C'est que je n'en ai rien à foutre. La présence de Pierre Paul Gaël, que Gaël a son absence dans ma vie, je n'en ai rien. Mais quand je dis rien à foutre, là, rien à foutre. Je vis parce que je suis là, comme ça. Mais qui touche à mon enfant? Parce que tu as osé sur ton panel. L'autre vidéo là, où un bâtard comme toi est venu dire que elle a mis qui touche mon point sensible a touché, qui touche à mon enfant, tu es mon point sensible. Comme elle a dit, donc, vous avez, je ne sais pas parler de groupe, mais combat de groupe là, je ne sais pas faire ça. Mais parler de groupe là, je ne sais pas faire ça. Combat là, ça sera un à un. Tant que j'ai vos vidéos, et tant que j'aurai ressenti, tant que j'aurai le cœur maigri, tant que j'aurai une douleur, je serai avec vous. Et c'est une promesse. Et comment je dis, je fais. Parce que mon Dieu en qui je crois là, il m'a toujours dit, demandez, vous recevez. Et on dit une malédiction sans cause n'a pas d'effet. Moi, ma malédiction là, aura des effets à votre cas. Parce que je n'ai jamais marié vos 5 francs. Je n'ai jamais dit votre nom dans quoi que ce soit. Je dis bien dans quoi que ce soit. Je ne vous connais ni d'Adam ni d'Ève. Donc, moi j'ai quelque chose de vous. Mais qu'est-ce que vous avez de moi? Alors, ça. Et tant que je n'aurai rien de qui que ce soit, et que tu vas me bloquer, ça va toujours marcher. Kinda. Ça marchera toujours. Eh oui. Donc, quand tu dis que c'est une bataille juste du fait, il faudrait donner aussi justice à au fils de Sylvia. Parce que lui aussi, il ne peut pas venir reprendre pour lui. Lui, c'est un innocent aussi. Est-ce que lui, il peut venir reprendre à Love Gugu par rapport aux injures que Love Gugu lui a données? Non, il ne peut pas. Parce que... Regardez-moi ce con, un gars stupide. Ah, ça aussi. Toi aussi, tu as une copine. Oui. Toi, tu as une copine. Toi aussi, tu es grand frère de quelqu'un, tu donnes conseil. Quand Roland vous dit qu'il fait un combat juste et noble, mon frère, l'enfant de Sylvia ne peut pas venir parler, certes. Certes. Mais je veux te poser une question, salaud, connard, imbécile, batracien. Je veux te poser une question. Je veux savoir si en dehors de mon frère fils, Julien Kofi, couché dans son cercueil, est le seul enfant que j'ai. Chien, maudit la fille, répond. Ta mère con, viens me répondre. Ça, chien, viens répondre à cela. Bâtard, avant de capable de baisser, et avant ce constipé sexuel, salité, viens répondre à ça, mon ami. Viens répondre. Viens répondre. Il est innocent dedans. Lui, il est vivant, mais il ne peut pas aussi venir répondre. Donc, il faudrait avoir cette vraie justice. Le père, il était clashé. Non, mais laisse-moi finir, s'il te plaît. Il était clashé. T'as soutenu Emma Louès, là. Emma Louès vous a déchargé. Non, faut mais pas après non, il faut pas changer. Non, s'il te plaît. Quoi. Non, moi, il était clashé. C'est une parenthèse. Vas-y, vas-y. Non, croyant, vous, s'il te plaît. Moi, je suis en train de poser une question parce que. Pose-moi la question. Faut être voilà. Prêt, parce que les dames. Mais. Attends, tu as dit que tu fais un combat juste. Et moi, c'est la question que je te pose. Écoutez, tu te cervelle là. Écoutez-le. Écoutez ce malade mental-là. Écoutez-le. Écoutez-le. Parce que tu as dit ton combat juste, le mort ne peut pas se défendre. Et on te donne ça. Ça, c'est vrai, tu as raison. Mais dans le même sens de toi, ne changeons pas de conversation, s'il te plaît, là-dessus. Parce que tu as dit que tu fais des combats nobles. Et si tu fais des combats nobles, un enfant qui est innocent, qui ne peut pas aussi se défendre, il faudrait aussi le défendre. C'est ça aussi qui est équitable, ou bien? Je vais te répondre tout simplement, hein, du coup. Voilà. Elle a eu à parler déjà. Tu sais, toute l'histoire a commencé comment? Je vais te dire. À cause de l'oreille de Kilo qui a été percée par Aya, par sa maman. C'est de là que tout est parti. Ça, j'en te vois, hein. C'est de là que tout est parti. Ok? Et Love Gugu, en tant que mère, elle dit non. Mais est-ce que si la femme là, elle a percé les oreilles de son enfant, c'est quoi les oreilles de ton enfant, elle a percé. Automatiquement, elle a insulté l'enfant de comment on appelle ça? De Aya. Pour dire que l'enfant de Aya a mis poudre sur son visage. On a tous vu. Je peux rien vous apprendre. Donc, elle est mal placée pour venir pleurer.
C'est tout. Elle a voulu attaquer, ils l'ont attaqué. C'est vice versa. Aujourd'hui, Globe du Gueule a dit qu'elle assume ce qu'elle a dit. Point. Elle assume. C'est le fait qu'elle ait parlé de son enfant, s'il vient prendre pour se victimiser. Non, ok. Elle allait parler de son fils qui est décédé. Il n'y a pas de souci. Elle assume. On est lancé. Maintenant, frère, où on dit affaire de 6 mois là. Moi, je suis mal placé pour vous dire. Parce que moi, je n'ai pas entendu ça dans la bouche de Sylvia. Voilà. Moi, excuse-moi, Love Gigu. Affaire de 6 mois là. Moi, je ne peux pas vous donner plus de détails. Voilà. Et moi, j'ai promis une seule chose. Je serai une peste pour Sylvia. Elle va. Beaucoup de personnes qui sont montées ici ont déploré les fans et on te donne ça. Si tu fais des commentaires, on ne peut pas se défendre et on te donne ça. Ça, c'est vrai, tu as raison. Mais dans le même sens de toi, ne changeons pas de conversation, s'il te plaît, là-dessus, parce que tu as dit que tu fais des combats nobles. Et si tu fais des combats nobles, un enfant qui est innocent, qui ne peut pas aussi se défendre, il faudrait aussi le défendre. C'est ça aussi qui est équitable ou bien? Ok, je vais te répondre tout simplement, hein, le père. Voilà. Elle a eu à parler déjà. Tu sais, toute l'histoire a commencé comment? Je vais te dire. À cause de l'oreille de Kilo qui a été percée par Aya, par sa maman. C'est de là que tout est parti. Ça, j'en te vois, hein. C'est de là que tout est parti. Ok? Et Love Gigu, en tant que mère, elle dit non. Mais est-ce que si la femme là, elle a percé les oreilles de son enfant. C'est toi, c'est les oreilles de ton enfant, elle a percé. Automatiquement, elle a insulté l'enfant de comment on appelle ça, de Aya. Pour dire que l'enfant de Aya a mis poudre sur son visage. On a tous vu. Je ne peux rien vous apprendre. Donc, elle est mal placée pour venir pleurer. C'est tout. Elle a voulu attaquer, ils l'ont attaqué. C'est vice versa. Aujourd'hui, Globe du Gueule a dit qu'elle assume ce qu'elle a dit. Point. Je fais partie des gens qui assument toujours ce qu'elle dit ou fait. Oui, oui, oui. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai toujours assumé mes propos devant Pierre, Paul, Jacques. Je ne fais jamais, je ne recule pas. Face à une situation, je fonce plus qu'un taureau. Je répète encore, je dis, Terre, Sylvia, ton enfant, handicapé, bête, attardé, bête, vilain, laid, pas que tu es du vilain, c'est qu'il a une petite beauté en lui. Ton enfant laid, je dis bien laid, plus laid que le mot laid qui se trouve en Afrique. Faut mettre poudre sur son visage, faut faire make-up, faut mettre filtre, et puis viens le montrer au vu, aux yeux de tous. Pour dire que ton enfant n'est pas vilain. Parce que il a dit que ton enfant est vilain. Que tu es venu sur le canal de mon enfant, non? Clara n'est plus. Charlène n'est pas là. Mes petits-enfants ne sont pas là. Moi, mais il n'est pas injuste, moi. J'ai dit que tu es laide. Même le plus laid des masques, chez nous, te refuse comme femme. Le masque le plus laid, le plus vilain masque grec qui existe, on ne peut pas le comparer à toi. J'ai dit que tu es un laidron. Oui? La laideur fait partie de ton être. La laideur est ton partage. Quel que soit le filtre, quel que soit les produits que tu mettras, quel que soit le make-up, quel que soit la fonction, quel que la coiffure que tu feras, tu es laide personne. Tu fais peur. Tu fais frayeux. Mmh. Tu fais frayeux. Par exemple, que tu es frais. Non, tu ne sais pas comment. Tu fais frayeux. Tu es vilaine. Tu n'as ni forme, ni taille. Même le nanisme a de la valeur contrairement à toi. Je réitère et je répète encore. Moi, Auguste, je dis, je suis la dernière personne dont tu insulteras le cadavre dans 6 mois rendez-vous. Tu es venu écrire sur mon poste, sur ma page, que je n'ai pas dit que tu es dans 6 mois, que 6 mois c'est petit. Quand 6 mois est petit, on se donne rendez-vous dans d'autres mois. Je répète. Je n'ai pas peur de quelque chose. Ce que je dis là, c'est ce qui est. Donc, l'homme que tu as envoyé, la personne que tu as envoyé là, madame,
où tu as dit qu'il n'a qu'à chercher un bon marabout, un bon féticheur pour consulter ce mois-là, tu as échoué d'avance. Parce que je te dors, Sylvia, je te mange, je te pisse, je te chie, je me lave avec toi. Understand? Est-ce que tu comprends ça? Sylvia, quand je m'assois par terre, puis je tape des pieds, et puis je tape des mains, et puis je crie, et puis je me gratte, 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 et puis mon sang est en train de couler là, ça coule à ton nom, Sylvia. Tu crois pas? Faut me regarder. C'est ce que j'ai dit. Et je m'arrête là. Vous les bâtards qui faites les panels, je répète, chaque panéliste a mon nom ou quelqu'un va monter pour m'insulter ici à vous. Nous tous là, on va devenir panélistes. Vos mères cons, vous tous. Vos podakou, mères cons de vos parents. C'est moi qui dis ça. Venez me taper. Affaire à suivre. J'ai fini mes doudous, mes lèvres de qualité. C'était mon live. Ciao.